c'est sûr. Je lui en parlerai. Merci. Monsieur Gardner. C'est par ici. Chris Gardner. Merci. Chris Gardner. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Chris Gardner. Chris Bonjour, Gardner. Chris. Heureux de vous revoir, monsieur. Chris Gardner, enchanté. Je suis resté assis durant un quart d'heure à côté et je me forçais de trouver une histoire qui expliquerait ma présence ici, vêtue de la sorte. Et je voulais arriver avec une histoire qui vous révélerait des qualités que je suis sûr vous admirez tous ici, comme le sérieux, ou l'assiduité, ou encore l'esprit d'équipe, ou que sais-je. Et c'est drôle, rien ne m'est venu. Pour être franc, donc, on m'a arrêté pour non-acquittement de mes contraventions. Contraventions ? Et j'ai couru jusqu'ici depuis le poste de police où j'ai passé la nuit. Et vous faisiez quoi avant de vous faire arrêter ? J'étais en train de repeindre mon appartement. C'est sec maintenant ? Je l'espère, oui. J'ai dit que vous êtes plutôt déterminé. Oh, il a fait le pied de grue devant l'édifice avec un gadget pesant des kilos durant plus d'un mois. Il dit que vous êtes brillant. Bien, je crois que c'est vrai. Et vous voulez apprendre ce métier? Oui, c'est un métier qui m'intéresse. Avez-vous déjà commencé à vous documenter? Absolument, oui. Jay. Oui, monsieur. Combien de fois avez-vous rencontré Chris? Oh, je ne saurais dire. À le voir une fois de trop. Était-il toujours habillé ainsi? Non. Veste en cravate. Mm-hmm. Vous étiez premier à l'école, école secondaire? Oui, monsieur. Combien d'élèves en classe? 12, je crois. C'était une petite ville. Ouais, je vois. Mais j'étais aussi premier à l'armée, classe de radar. J'étais dans la marine, c'était une classe de 20. Oh, un détail en passant. Je suis le type de personne, si on me pose une question et que j'ignore la réponse, je vais vous dire que je sais pas. Mais je vous garantis, je sais comment trouver la réponse et croyez-moi, je vous la trouverai. C'est une qualité, non? Chris, que diriez-vous si une personne se présentait à une entrevue sans sa chemise et que je l'engageais? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'elle avait sans doute de très jolis pantalons. Ha, 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 ha